Bonjour mes élèves. Toujours dans l'unité 12, c'est la fête à l'école. Aujourd'hui, on va travailler la lecture. On va travailler le son œil. Le son œil. Allez, ouvrez le manuel, page 107. Ouvrez le manuel, page 107. Regardez les deux images. L'image à gauche. Le bleu, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Très bien. Fauteuil. Fauteuil. Quel est le son qui se répète à la fin du mot? Fauteuil. Fauteuil. Très bien. On entend le son œil. Répétez. Œil. Œil. Très bien, les enfants. Maintenant, passons à l'image de la droite. Ça veut dire je parle de la couleur rouge. C'est une femme. Qu'est-ce qu'elle porte à la main? Qu'est-ce qu'elle a à la main? Portefeuille. Portefeuille. Qu'est-ce qu'on entend ici à la fin du mot? Portefeuille. Portefeuille. Très bien. On entend le son œil. Œil. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Œil. Du bleu. Est-ce que c'est la même écriture comme œil du rouge? Très bien. Vous l'avez remarqué. Le œil bleu s'écrit avec E, U, I, L. E, U, I, L. Le œil du rouge s'écrit avec E, U, L, L, E. Mais c'est la même prononciation. Œil, œil. Très bien, les enfants. Découvrons maintenant la phrase clé. Les enfants ont écrit des invitations sur des feuilles décorées de beaux dessins. Dans la cour, les maîtresses accueillent leurs parents. Je répète. Les enfants ont écrit des invitations sur des feuilles décorées de beaux dessins. Dans la cour, les maîtresses accueillent leurs parents. Répétez encore une fois avec la maîtresse. Cette fois-ci, on va y aller doucement. Allez, 1, 2, 3. Les enfants ont écrit des invitations sur des feuilles décorées de beaux dessins. Dans la cour, les maîtresses accueillent leurs parents. Très bien, les enfants. Découvrons maintenant les mots qui sont soulignés. Feuille, accueil. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On remarque la présence du son œil. Œil, regardez. Feuille, accueil. Très bien. Mais regardez, il y a une petite différenciation. Feuille, ça s'écrit avec E, U, I, L, L, E, S. C'est la même chose du son qu'on a déjà vu dans le titre. Ici, U, E, I, L, L. Mais c'est toujours le même son. Œil, œil. D'accord? Continuons ainsi. Suivez-moi. Je découvre des mots avec œil et œil. D'accord? Allez. Vous voulez qu'on chante? Alors, l'image 1. Qu'est-ce que c'est? C'est quel animal? C'est quel animal? Répétez avec la maîtresse. Un écureuil. Un écureuil. D'accord? On répète ensemble. Un écureuil. Un écureuil. L'image du milieu. Qu'est-ce que c'est? Comment s'appelle cet animal? Un chevreuil. Un chevreuil. Répétez. Un chevreuil. Un chevreuil. Très bien, les enfants. Passons à l'image de la droite. Qu'est-ce que c'est? Allez, 1 et 2 et 3. Donnez-moi la réponse. Très bien. Une feuille. Une feuille. Allez. Un écureuil. Un écureuil. Un chevreuil. Un chevreuil. Une feuille. Une feuille. Allez. Un écureuil. Un écureuil.
lecture ainsi. Écureuil, reuil, œil. Répétez. Écureuil, reuil, œil. Bravo. Le deuxième mot. Chevreuil, vreuil, œil. On répète. Chevreuil, vreuil, œil. Génial. Encore la dernière, le dernier mot. Oh là là. On répète encore. Allez. Mais on va faire vite. Écureuil, rue, œil. Écureuil, rue, œil. Chevreuil, vreuil, œil. Chevreuil, vreuil, œil. Très bien. Bravo, bravo les enfants. Allez. Bonjour les élèves. Maintenant, on va continuer les activités. Commençons par l'activité 1. Lis les mots et barre l'intrus dans chaque série. Lis les mots et barre l'intrus dans chaque série. La première série, ici, on cherche les mots qui contiennent œil et qui s'écrivent avec E, U, I, L. Si je vois pas dans le mot O, E, U, I, L, je barre. D'accord? Commençons. Je vais changer le stylo. Je vais prendre un crayon. Et vous, vous allez faire la même chose comme la maîtresse. Je lis. Et je fais l'exercice en même temps. Allez. Fauteuil. Fauteuil. Seuil. Et. Q. Reuil. Et. Écureuil, portail. Attention, aïe, 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 qu'est-ce qu'on trouve ici? A-I-L. Est-ce qu'on cherche A-I-L? Regardez. Non, alors qu'est-ce que je dois faire? Je barre. Continuons. Chevreuil. Treuil. Deuil. Bravo, bravo les élèves. On passe maintenant à la deuxième série. E, U, I, L, L, E. Œil. 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 Même si ici on a un seul L, même si ici on a deux L, E, c'est la même prononciation. Œil. Œil. D'accord? Allez. Feuille, chenille, chenille. Est-ce qu'on remarque ici la présence de ce son ou bien de ce graphème E, I, E, U, I, L, L, E? Non, je barre. Porte, feuille, porte, feuille. Feuilleté. Feuilleté. Feuilleton. Alors, qu'est-ce qu'on a barré dans la première série? Portail. Et dans la deuxième série, on a barré le mot chenille. On passe à l'activité 2. Colorie ce qui est juste. Est-ce que je vais colorier avec le crayon? Non. Je prends un crayon de couleur. Moi, je n'ai pas le crayon de couleur. Je vais prendre un surligneur. Vous allez travailler avec vos propres crayons. Crayon de couleur, d'accord? Allez, colorie ce qui est juste. Je m'assois dans un chevreuil. Hein? Dans un chevreuil. Non, dans un fauteuil. Allez, colorier. Comme ça. J'écris sur une corbeille. Ou bien une feuille. Hein? Très bien. Sur une feuille. Les arbres ont un maquillage ou bien un feuillage. Hein? Très bien. Un feuillage. Et je colorie. D'accord?
Passons à l'activité 3. Ici, on va faire seulement la lecture. Je vais changer le crayon ou bien le feutre. Et je prends un crayon à papier comme ça. Je vais pouvoir lire. Les enfants ont préparé de belles invitations. Ils ont écrit sur des feuilles décorées. Les maîtresses accueillent les parents. On répète. Les enfants ont préparé de belles invitations. Ils ont écrit sur des feuilles décorées. Les maîtresses accueillent les parents. Je répète. Les enfants ont préparé de belles invitations. Ils ont écrit sur des feuilles décorées. Les maîtresses accueillent les parents. Allez, avec la maîtresse, encore une fois. Les enfants ont préparé de belles invitations. Ici, on fait la liaison. Ils ont écrit sur des feuilles décorées. Les maîtresses accueillent les parents. Bravo, bravo, bravo les enfants, bravo. Maintenant, on va passer à la dernière activité. Attention, lis des phrases avec notre, votre ou bien leur. Hein? Nous, on est beaucoup. Par exemple, moi, la maîtresse et ses élèves. Hein? Cette maison est à nous. Ça veut dire moi et mes élèves. C'est notre maison. Je dis notre parce que nous sommes beaucoup. Hein? Ce ballon est à vous. Les garçons, je parle aux garçons. Ce ballon est à vous. Je ne parle pas d'un seul garçon. Beaucoup de garçons. Hein? Ce ballon est à vous. Ou bien, oui, puisque ce sont les garçons qui jouent au ballon, je dis les garçons. Hein? Ce ballon est à vous. Ça veut dire on a beaucoup de garçons. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est votre ballon. Cette maison est à nous. Ça veut dire moi et mes élèves. Je dis c'est notre maison. C'est notre classe. Cette voiture est aux parents de Karim. C'est pas ma voiture à moi et mes élèves. C'est pas la voiture de vous, les garçons. C'est la voiture des parents, aux parents de Karim qui ne sont pas avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est leur voiture. Alors, quelque chose à nous, je dis notre. Regardez, nous, notre. Vous, votre. Je parle de quelqu'un qui n'est pas avec nous. Hein? Pluriel, aux parents de Karim, ça veut dire ici le papa et la maman. On va dire leur. Alors, quelque chose à nous, notre. Vous, à vous, votre. À eux, ou bien aux parents de Karim, on dit leur. D'accord, les enfants? J'espère que vous avez compris. C'est à vous maintenant de faire la même chose sur vos livrets. Allez, c'est maintenant, c'est le moment de vous quitter. Au revoir. Allez, maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'elle a cet enfant à la main? Il a un crayon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'heure de travailler. Allez les enfants, ouvrez vos manuels, page 106. Faites la lecture, lisez les mots et faites les exercices comme elle a fait la maîtresse. D'accord? Allez, au revoir. Merci. Bye bye.